faire un premier signalement d'un particulier qui a vu trois tentes au bord de moi. Je suis dans le social, donc je fais du XP, donc à la base c'est déjà mon domaine de prédilection. Et puis j'avais envie de donner du temps pour les autres. Et puis comme la Croix-Rouge c'est une grosse association, voilà, je me suis engagée dans les maraudes. Et puis c'est pouvoir donner de son temps libre pour une bonne cause. À côté de chez eux, même sur le bord de la route, s'il y a quoi que ce soit qui leur semble bizarre, il faut appeler 115 et c'est important de faire ce numéro. Bonsoir, la Croix-Rouge. Mes journées s'organisent de façon à ce que je passe toute la journée lourde à faire mes recherches d'emploi. C'est-à-dire que depuis 2 mois et demi, je suis sans argent parce que mon ancien employeur m'avait pas envoyé les papiers. Maintenant que je viens d'avoir les papiers, je commence à me lancer dans les recherches, c'est-à-dire tout ce qui est intérim, tout ça. Et je connais pas bien Orléans, ce qui me bloque. Parce que si je connaissais Orléans, franchement, je serais où me diriger pour rechercher de l'emploi, quoi. On a un service qui a pour mission d'aller à la rencontre des plus précarisés. Les personnes les plus isolées, pour qui n'ont plus aucune confiance en les institutions, qui ont eu un parcours assez sévère de rupture. Donc en quelque sorte, on est un peu la passerelle entre la personne et les institutions. La première marche qui est compliquée pour certaines personnes à faire tout seul, parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie. L'énergie qu'ils ont quelquefois plus. La troisième année consécutive que cette mission nous est confiée par les services de l'État, on reçoit en moyenne l'accueil de nuit fonctionne du mois de décembre, janvier, février, et avec une moyenne depuis le démarrage de cet accueil de 15 personnes par nuit. Et on a reçu plus de 100 personnes différentes depuis la mise en place de ce dispositif. Disons que j'ai perdu mon logement, malheureusement, et je me suis pas touché à ma voiture. Et j'ai trouvé ici un accueil chaleureux, que je pensais pas que ça pouvait exister encore. Et grâce à ça, j'espère que je m'en sortirai. Là, on reçoit un public mixte, adulte, des personnes en précarité, qui n'ont pas d'autres hébergements dans les médias. C'est plutôt un accueil d'urgence. Yeah.